Bonjour à toutes, je vous présente donc une brassière, donc taille naissance 3 mois, qui se tricote en un seul morceau, donc point mousse jersey, et là j'ai un petit col, donc en côte 1-1, et elle se ferme avec des boutons à l'arrière. Donc là je me suis amusée avec des boutons de différentes... des points et des traits. Donc très facile à faire, donc se tricote en un seul morceau. Et pour ceci, donc j'ai utilisé des aiguilles 3,5, donc des aiguilles droites 3,5 et de la laine 3,4. Et donc on est parti. À tout de suite. Donc voilà, une fois montées les 48 mailles, j'ai tricoté au point mousse 2 cm. Je ne sais pas si vous voyez, 2 cm au point mousse. Une fois tricoté mes 2 cm au point mousse, je passe en jersey. Et le jersey... on va le tricoter jusqu'à obtenir, hop, je repose, jusqu'à obtenir 13 cm de hauteur totale. Donc le point de mousse plus le jersey, ça fera 13 cm. Et une fois qu'on aura obtenu nos 13 cm, on se retrouve. Une fois qu'on a les 13 cm de hauteur totale, je ne sais pas si vous voyez, hein, je vais rajouter 32 mailles pour les manches. Donc, pour ceci, on va faire comme... si vous avez vu d'autres vidéos sur ma chaîne, on pose le fil derrière, on fait un croisement, on passe l'aiguille en dessous. Et on fait ça 32 fois. Là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 32. Une fois qu'on a fait les 32 rajouts, on va tricoter maintenant au point mousse. Donc tous les rangs à l'endroit. Et donc là, comme on vient de rajouter les mailles, donc la première là, je la tricote. Et après, par contre, ça sera que des mailles lisières. Sauf la dernière ici, parce qu'on rajoutera aussi 32 mailles pour faire la deuxième manche. Donc on se retrouve à la dernière maille ici. A tout de suite. Une fois donc terminé notre rang, donc j'ai fait un point à l'endroit normal et on va rajouter donc 32 mailles comme on a fait l'autre côté. Donc le pouce toujours derrière le fil, on tourne, on glisse l'aiguille en dessous et on fait ça 32 fois et on continuera à tricoter au point mousse jusqu'à obtenir 20 cm du démarrage ici, 20 cm de hauteur totale au point mousse. Donc là, une fois qu'on a fait les augmentations, qu'on a fait les augmentations pour les manches,
on tricote au point mousse. Le jersey, là, il est fini. Donc, tout au point mousse pendant 20 cm de hauteur totale. A tout de suite. Une fois qu'on a nos 20 cm de hauteur, on va tricoter 51 mailles. Donc moi, la première toujours en maille lisière. Donc, 51 mailles et on se retrouve. Pour avoir tricoté 51 mailles, on va rabattre 10 mailles qui va former le col. Donc pour cela, on va faire une, deux, on reprend la première qu'on a tricotée et on rabat par-dessus. Une, deux, et normalement il vous reste 51 mailles ici, donc vous tricotez jusqu'à la fin du rang et on se retrouve. Une fois fini le rang, donc on va tricoter les 51 mailles parce que du coup le travail va être divisé par deux. Donc on met en attente les mailles de ce côté là et on va continuer le demi ici qui va être le demi dos. Donc on fait le rang en entier. Et on se retrouve à l'autre bout. Une fois terminé notre rang, on va réduire, on va rabattre 3 mailles. Donc une, deux et trois. Et on termine notre rang tout à l'endroit. Une fois fini notre rang tout à l'endroit, donc arrivé ici, on tourne notre travail et on refait un rang tout à l'endroit et on se retrouve au niveau de l'encolure. À tout de suite. Nous voici niveau l'encolure. Donc là, on va réduire. Donc, si je perds mes mailles, ça va pas aller.
Donc, je disais, on tourne notre travail. Et donc, côté encolure, nous allons rabattre 2 mailles. Donc, ma première, je tricote la deuxième, je passe la première sur la deuxième. Donc, 1 et 2. On termine le rang, on tourne notre travail et on retricote le rang en entier. Et on se retrouve à nouveau ici. À tout de suite. Donc, une fois fini notre rang, on tourne notre travail et on va rabattre 1 maille. Et ce qu'on va faire là, on va le faire 4 fois. Donc, on rabat 1 maille. On termine notre rang tout à l'endroit. Puis, on fait le retour. On rabat encore 1 maille. Termine notre rang. On fait le retour. On rabat donc encore 1 maille, ça fera 3 fois. Termine notre rang, on fait le retour. On rabat encore 1 maille, ça fera la 4e. On termine notre rang. Et à partir de là, on revient et on se retrouve à ce niveau-là. À tout à l'heure. Donc, une fois on est arrivé là, on est à 24 cm et là on va rajouter des mailles. Donc on va rajouter 26 mailles. Donc comme on a fait exactement la même chose pour les manches, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26. Et donc on va continuer à tricoter donc toutes les mailles. Normalement il restait 42 mailles plus 26 mailles. On va continuer à tricoter au point de mousse jusqu'à obtenir 33 cm de hauteur totale. Et on se retrouve. Une fois tricoté les 33 cm de hauteur totale, on va rabattre les 32 mailles de la manche. Donc, moi je suis arrivée ici. Hop. Et là, je vais rabattre les 32 mailles. Et j'ai fini la manche. Hop. Donc, ma maille lisière, je prends 1 maille, je la repasse par-dessus. 1, 2, 3. Et on se retrouve une fois rabattu les 32 mailles. Et donc, voilà ce qu'on obtient, la manche qui est là. Et donc là, on va continuer à tricoter. Je vais, hop, pour vous montrer où on en est quand même. Voilà, hop. Donc là,
on fait la moitié, donc ici, la manche, le corps, le col. Ça, c'est l'autre partie avec l'autre manche qu'on refera tout à l'heure. Donc ici, à partir de là, maintenant on a rabattu la manche ici, on va commencer le jersey, comme on a fait ici. Et on va continuer à tricoter donc en jersey jusqu'à obtenir, donc d'ici jusqu'à l'autre bout là-bas, 44 cm. Et là, c'est en jersey. Et je vous dis à tout de suite une fois qu'on aura atteint les 44 cm. Une fois qu'on est à 44,5, je ne sais pas si vous voyez. Donc là, moi j'ai 44,5. Je vais tricoter donc 6 rangs comme on avait fait ici. 6 rangs au point mousse et on rabat toutes les mailles. Pour ce côté-là, on aura fini. Donc, on se retrouve pour reprendre à ce niveau-là. Donc, voici, nous avons fait donc le trois quarts de la brassière. Donc, il nous reste de ce côté-ci à faire. On va faire comme on a fait l'autre côté. Par contre, les diminutions, on va les faire quand on sera à l'envers du travail. Donc, à chaque démarrage du rang, donc on se retrouvera sur l'envers. On fera les diminutions comme on a fait l'autre côté. Donc, la première, c'était, on rabat 3 mailles. Déjà, on va installer le fil. Donc, hop. Déjà. Voilà. Donc, j'installe mon fil. La première maille, comme c'est une maille lisière, je ne la tricote pas. Je tricote. Donc là, on est au point mousse. Donc, une maille rabattue. Je tricote la deuxième. La deuxième maille rabattue. Je tricote la troisième et je rabats. Ça me fait 3 mailles rabattues. Je termine mon rang comme on a fait l'autre côté. On va faire exactement la même chose. Donc, je termine mon rang. Je tourne mon travail. J'arrive ici. Hop. Je tourne mon travail. Je rabats 2 mailles. Je termine mon rang. Je tourne. Je tricote tout. Je tricote. Je rabats une maille. Je tricote tout. Je reviens. Je rabats encore une maille. Je tricote tout. Je reviens. Encore une, ça fera 3 mailles individuelles. Je retourne. Et encore, je rabats encore une, ce qui me fera 4 mailles individuelles rabattues. Comme on a fait l'autre côté. Exactement la même chose. Et on continuera la même chose comme on a fait ici. Tout simplement. Donc je vous dis à tout à l'heure. Donc pour les boutonnières. Donc, suivant ce que vous voulez faire, soit vous en mettez 2 sur chaque rang ou des pressions. C'est vous qui voyez. Hein. Donc, moi, là, j'ai fait 4 rangs. Donc, là, je vais faire 3 mailles, une boutonnière, et je vais faire une deuxième à peu près à ce niveau-là. Alors vous pouvez en faire qu'une au milieu. Après, c'est vous qui voyez hein, où vous installez vos boutonnières. Moi, je vais en installer 2 ici et 2 là. Et le reste, je ne mets pas de boutonnière. Je vais juste mettre 4 boutons en haut. Donc, pour ceci, on va faire... Donc, je vais vous montrer. Après, c'est vous qui jugez... où vous mettez vos boutonnières. Je vais juste montrer les 2 premières, comment on fait. Et après, vous voyez où vous installez, les écarts que vous mettez. Donc,
ma maille lisière, je tricote pas. Une, deux, donc ça me fait trois mailles ici tricotées. Un jeté et deux mailles ensemble. Simplement. Et quand je vais tricoter ici, ça va me faire un trou. Donc là, je fais 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, un jeté et deux mailles ensemble. Et je termine mon rang normal. Et on se retrouve pour vous montrer comment on tricote les mailles jetées. Pour celles qui ne savent pas ou qui ont peur de se tromper parce que ça fait un trou dans le tricot. Je vous retrouve à tout de suite. Donc je fais, donc là on arrive sur la maille lisière, je la tricote comme une maille normale hormis qu'elle est plus ample et ça me fait un trou pour ma boutonnière. Voilà. Et donc la suivante, je la tricoterai pareil. Toujours au point droit, à l'endroit qu'on est au point mousse. Là, je suis sur ma maille lisière. Je glisse mon aiguille comme si je tricotais à l'endroit, hormis qu'elle est plus ample, ce qui est tout à fait normal. Et là, j'ai ma boutonnière aussi. Je tourne mon travail et je continue à tricoter normalement. Voilà. Donc ma maille lisière que j'ai pas tricotée à l'envers. Donc hop, je reprends ma maille. Ma dernière maille, je la tricote tout le temps à l'envers pour faire ma maille lisière. Je tourne. Ma maille lisière ici, je ne la tricote pas. Et je reprends tout au point mousse, tout à l'endroit. Normal. Et vous voyez, ça forme le trou pour la boutonnière. Cela ne déforme pas du tout le tricot. Cela ne change strictement rien. Et on a nos deux boutonnières qui sont là. Et on continue comme on avait fait de l'autre côté. Travaille exactement la même chose. N'oubliez pas qu'à un moment on réduit les manches, on change de point, puis bah vous rajoutez les boutonnières ou cela vous voulez. Si vous mettez pas de boutonnière, bah peut-être des pressions ou peut-être des rubans. Tout est possible, tout est faisable, suivant les goûts de tout le monde. Donc voici. Je vous laisse et je vous retrouve pour la couture. A tout à l'heure. Donc là, je suis en train de remonter, de monter en fait les mailles au niveau du col. Pour faire une petite finition. Donc, je pique et je ramène une maille. Je pique et je ramène une maille. 39. 40, 41, 42,
43. En fait, je cherche, c'est les petits trous. Alors, ici, j'ai les V qui sont là. Et c'est en dessous. J'ai un trou là. Un trou là. Donc, en fait, je pique bien en dessous pour aller chercher mes mailles. Voilà. Les 61. Alors, je sais plus. Je vais recompter et je vous dis le nombre de mailles à remonter. Donc j'ai monté 75 mailles. Parce que je ne veux pas un col non plus serré. Hein. Je veux juste faire une finition plus jolie, hein, plus sympa. Et donc là, je vais tricoter en côte 1-1. Donc, ma première, je la fais à l'endroit. Hop. La deuxième, à l'envers. À l'endroit. À l'envers. À l'endroit. À l'envers. À l'endroit. À l'envers. À l'endroit. Et ainsi de suite. Et on va faire comme ceci pendant 3 rangs. Et une fois fait les 3 rangs, on rabat toutes les mailles. Et le petit col sera fini. C'est vraiment pour donner un petit côté plus fini. Un petit peu plus sympa. Je vous retrouve une fois le col fini pour faire la couture. À tout de suite.
Donc voilà ce que ça donne avec le petit col tout simple. Ça habille un petit peu plus la brassière. Donc ici j'ai fait ma couture. Donc ici c'est une couture invisible. Et donc ici, ce que ça donne. Donc là, on va faire pour l'autre côté. Donc, hop, je défais, je ne sais plus comment j'ai fait mon petit nœud ici. Il est là. Hop, je défais ma laine. Et donc, on va coudre. Je vais faire un côté avec vous, hein, parce que du coup, comme vous avez vu, j'ai fait l'autre côté. Hop, je vais montrer comment je fais ma couture. Après, chacun sa technique. Donc ici, mon fil est là. Je viens prendre le premier maille ici du rond de commencement, je repique à nouveau ici et je ressors à nouveau. Je fais deux allers-retours pour être sûr qu'on est bien face à face. Voilà, une fois qu'on est face à face, je prends mon point mousse de ce côté-ci, je prends le point mousse de l'autre côté. Je prends le point mousse de la barre au-dessus, le point mousse de la barre au-dessus ici, et le dernier point mousse. Et le dernier point mousse de ma dernière barre, l'autre côté. Voilà, voilà ce que ça donne. À partir de là, donc là on est dans le jersey, vous avez ici, donc ici là c'est mes mailles lisières qu'on voit bien là sur le flanc, ça fait des V, donc ici là, et ben je vais pas piquer à cet endroit là, donc ici là je viens à côté. Et à ce niveau-là, vous voyez, quand je mets mon aiguille, je me retrouve avec des barres. Je prends deux barres. Je vais en face. Donc pareil, ça c'est ma maille lisière qui est là. Et ben, je vais à côté. Et je vais prendre les petites barres. Vous voyez là. Et je passe mon aiguille. J'en prends deux aussi. Là, j'ai piqué. Ma laine sort ici. Donc, je pique à côté. Et je prends deux petites barres. Et ainsi de suite. Je repique pas où est ma laine. Et ma laine, elle sort là. Donc, je vais à côté. Et je prends deux petites barres. Ma laine sort ici. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Ma laine, elle sort là. Donc moi, je vais à côté. Et je vais prendre deux petites barres plus loin. Une fois que j'ai fait ça, donc vous voyez, mon fil, il est détendu. Je tire dessus. Ça soude mon tricot. Et je continue comme ça jusqu'à au croisement ici en haut de mes manches, et on se retrouve pour que je vous explique comment je fais ici. Donc une fois que je suis arrivée ici, donc là nous on a ici alors
prendre comme ça. DV. Là. Et en face, nous avons aussi DV. C'est pas là, c'est ici. Plutôt dans ce sens-là. Et où mon fil, hop. Ici, il faut bien regarder parce que donc celui-là, il est là, les V sont là. Et ici, vous voyez, ici, c'est les points mousse. Et quand vous penchez légèrement, vous avez vos petits V ici. Donc, pour cela, je pique dans mes V. Et pareil, je récupère deux petites barres. Je glisse. Je viens en face. Vous voyez bien, il y a un V, deux V. Je prends là. Là, j'ai un bâton. Je pique un peu plus loin et j'ai mon deuxième bâton. Ici, je reviens. J'ai un, deux bâtons. Là, je fais la même chose, le bâton, un, deux bâtons, là mon fil est là, donc je vais à côté, un, deux bâtons, alors je suis parti où là, mon fil est là, je vais là, deuxième, voyez, je récupère mes petits bâtons, les petites barres dans les V. Et on fait comme ça, ainsi de suite, jusqu'à l'extrémité, donc à l'autre bout. Donc voilà comment la couture se présente. Vous voyez, hein, ça fait pas, c'est détendu. Et ben, je tire dessus, comme on a fait de l'autre extrémité. Et vous voyez, hein, ça me soude. J'ai rien, j'ai pas de trou. Tout la couture devient invisible. Donc je vous laisse continuer et on se retrouve à la fin de la couture. Donc voici la brassière, hein, donc les coutures finies, hein, sur les manches et sur les côtés. J'ai installé donc 4 boutons. Alors j'ai pris différents boutons histoire de des traits, des petits points, histoire de casser un peu les codes. Donc voilà, une fois fini la brassière, hop, voilà ce que ça donne. Donc j'espère que bah, vous avez aimé le tuto, hein. Et que et qu'il n'y a pas trop de difficultés, à part pour celles qui n'ont pas l'habitude de remonter au niveau du col. C'était la seule difficulté pour moi que j'aurais trouvé pour les débutantes. Autrement, ça reste simple, abordable. Normalement, ces brassières-là sont dédiées pour les débutantes. Pour celles qui démarrent dans le tricot, c'était vraiment les toutes premières qu'on apprenait à faire il y a quelques années. Hein. Je ne sais pas si elles sont encore d'actualité. Moi, j'aime bien parce qu'il y a un changement de motif. Hein. Ça change. Et puis moi, je m'amuse tout le temps au niveau du col de faire une autre couleur. Ça habille. Hein. Moi, je trouve ça très mimi. Hein. Donc voilà, pour celles qui connaissent pas ma chaîne, donc c'est une chaîne dédiée vraiment aux bébés. Donc je tricote que pour les petits, donc c'est vraiment les bébés, la naissance. Parce que j'adore ça, je m'éclate, je change souvent les modèles, parce que j'aime pas tricoter plusieurs fois la même chose, je m'ennuie, je me lasse.
Et souvent on me demande les tailles au-dessus. Donc comme je les travaille pas forcément à une taille au-dessus, si je les fais, je le précise, mais quand je l'ai pas fait la taille au-dessus, je préfère éviter de dire des bêtises, parce qu'après c'est tous des calculs, et des fois je suis pas. Je ne sais plus combien de mailles que j'ai tricotées et combien de centimètres. Donc moi, je le fais vraiment au moment précis, au moment présent. Donc mes brouillons, c'est du barbouillage. Donc je préfère ne pas les garder. C'est pour ça que je fais les vidéos. Déjà, ça me permet moi de me retrouver aussi, hein, parce que du coup, mes vidéos, quand j'en ai besoin d'un modèle ou une amie a besoin et ne sait pas trop ce que ça donne, donc je lui montre. Après, on change les couleurs, on rajoute des motifs. Hein, voilà, on varie, on change certaines choses. Hein, donc, c'est vraiment fait sur le moment présent. Donc, voilà. Pour ceux-ci, pour celles qui ne sont pas abonnées, hein, qui découvrent ma chaîne, ben, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. Hein. Et vous verrez dans la barre en dessous de la vidéo, hein, tout est marqué. Sur chaque vidéo, c'est marqué la taille qui correspond les brassières. Parce que ça arrive qu'il y a des pulls ou des marinières ou autres qui font du 6 mois, 3, 6 mois ou 6 mois, 9 mois, je ne sais plus. Hein. Je me rappelle plus trop. Tout est marqué en dessous. Et vous verrez, il y a aussi une adresse. Hein, c'est ma page où vous retrouverez toutes les vidéos hein, que j'ai faites à l'heure actuelle depuis que j'ai commencé. Donc, il n'y a pas longtemps. Je ne suis pas une professionnelle. Hein, je suis une amatrice. C'est un loisir pour moi. Et j'adore faire plaisir aux gens qui sont autour de moi. J'ai beaucoup de demandes aussi de gens autour de moi parce qu'ils savent que je tricote et qu'ils apprécient énormément ce que je fais. Donc c'est vrai que ben, j'apprécie énormément. Des fois c'est pour offrir à des personnes que je connais absolument pas. Et je suis très heureuse de savoir que ben, ça leur a plu. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos.